Donc je poursuis. À la rentrée dernière, la lycée Sceaux, un professeur de droit a refusé de faire cours après le refus par deux étudiantes d'ôter leur voile. La question que je vous pose, c'est de savoir quelle est votre position sur le port de signes ostentatoires religieux à la fac. Là, on est sur un sujet extraordinairement sensible, qui sera peut-être d'ailleurs des critères déterminants de la prochaine élection présidentielle. Et il est très difficile dans ce domaine d'avoir une politique, une position qui ne soit pas un peu, comment dire, caricaturale. Moi, je suis tout à fait favorable à l'interdiction des signes religieux à l'école. Parce que là, on est devant des enfants qui n'ont pas la maturité requise pour apporter un jugement personnel sur ce genre de choses. Donc j'ai soutenu cette loi, je l'ai votée et la voterai à nouveau. Elle est respectée d'ailleurs aujourd'hui, mais elle concerne tous les signes religieux, hein, juifs, catholiques, chrétiens, façon générale, et musulmans. Deuxièmement, je suis tout à fait favorable, et plus que favorable, je soutiens à 100% l'interdiction du voile intégral dans l'espace public français. Vous avez remarqué que le Conseil d'État, qui a été consulté en 2010 là-dessus, a validé le projet du gouvernement, à condition qu'on ne se fonde pas sur un critère religieux, mais sur un critère d'ordre public. C'est parce que le voile intégral ne permet pas l'identification du visage qu'il est interdit dans le domaine public français. Il faut rester sur cette interdiction qui est respectée. On a un peu de mal à faire respecter, mais qu'il faut faire respecter absolument. Je ne sais pas si vous avez vu le JDD hier. Il y a une très intéressante étude de l'Institut Montaigne qui est reproduite, qui donne à la fois des raisons d'optimisme et des raisons d'inquiétude. La raison d'optimisme, c'est que les deux tiers des Français musulmans se disent laïcs. À peu près la moitié d'entre eux sont complètement sécularisés, ne pratiquent plus leur religion en réalité, et un petit quart, sont religieux, mais acceptent parfaitement les principes républicains, et en particulier ce principe qui pour moi est un marqueur essentiel, qui est l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça, c'est pas négociable. Et puis, ça c'est l'autre facette de cette enquête, qui est plus inquiétante, on a un gros quart, 28% des musulmans français, des Français musulmans, qui eux, n'acceptent pas des principes de la République, qui sont pour la polygamie, qui sont pour le voile intégral, et là on a un vrai défi, parce que ça c'est pas acceptable. La dernière difficulté qui subsiste dans tout ça, c'est que si on veut aller vers un accord entre les Français musulmans qui acceptent nos règles du jeu, et puis la République, il faut trouver des interlocuteurs. Là encore, dans ce sondage, il y a quelque chose d'inquiétant, c'est que 90% des Français musulmans ne se reconnaissent pas dans les organes dits représentatifs des musulmans, le CFCM par exemple, ou dans certaines personnalités que l'on entend beaucoup sur les médias, et ça c'est le vrai défi. Est-ce qu'on va arriver à structurer un partenaire pour les pouvoirs publics? Et la balle est dans le camp des musulmans, des Français musulmans. C'est à eux de faire émerger cette organisation pour qu'à un moment ou un autre, on puisse se mettre autour de la table et signer un accord qui nous permettra d'éviter tous les 6 mois de savoir si on interdit ceci, cela ou autre, jusqu'où on va. Calmons un peu les choses. Il faut une détermination sans faille pour lutter contre le terrorisme. Il faut une détermination sans faille pour lutter contre la radicalisation des esprits. Mais il ne faut pas faire l'amalgame et partir sur les principes que j'évoquais tout à l'heure. Mais vous faites une transition parfaite pour la dernière question avant de passer la parole publique. Dans votre livre, pour un état fort, où justement vous évoquez tout ce dont vous venez de nous parler, au tout début, vous commencez votre livre, et je veux dire que quand j'ai commencé à lire, c'est une des choses qui m'a un peu surpris. Vous commencez par dire, n'ayons pas peur du mot, la France est en guerre. Quand on ouvre un livre, ça fait déjà bizarre quand on commence à lire ça. Et plus loin, vous expliquez que faire la guerre, c'est accepter sur le sol français des sacrifices en ce qui concerne nos libertés publiques. Et alors la première question qui me vient en tant que citoyen, et d'autant plus en tant qu'étudiant en droit, c'est quelles sont les libertés que l'on peut sacrifier sur l'autel de la sécurité, et existe-t-il une limite? Oui, il existe une limite, très certainement. C'est pas nous qui avons déclaré la guerre. Hein? L'État islamique nous a déclaré la guerre. Hein? Vous voyez ce qui se passe sur notre sol, ce qui se passe à proximité de notre pays, tout autour de la Méditerranée, ce pseudo-État s'est engagé dans une guerre, pas simplement contre la France, mais de façon générale contre les démocraties et contre la culture qui l'aborde et qui est la nôtre. Et donc il faut se défendre et se donner les moyens de gagner cela. Ça veut dire des moyens militaires,
hein, Sahel, Syrie, nos soldats font un travail admirable, et il faut leur donner les moyens d'assumer leur mission, bien entendu, et puis ça veut dire sur le sol national aussi se donner les moyens de combattre, de prévenir, de développer leur renseignement, etc. Je ne vais pas reprendre toutes les propositions que j'ai faites ici. Alors, bien sûr qu'en circonstances exceptionnelles, il faut des mesures exceptionnelles, et c'est inscrit dans notre Constitution, ça s'appelle l'état d'urgence. Aujourd'hui, les préfets, sous l'état d'urgence, peuvent faire des perquisitions la nuit sans avoir l'autorisation préalable d'un juge. C'est déjà un empiètement sur la liberté individuelle. Il existe. Les préfets peuvent assigner à résidence, pendant une certaine période, des personnes suspectées de complicité avec le terrorisme, sans l'intervention d'un juge, pendant une première période. Donc c'est aussi une mesure exceptionnelle qui met en cause nos libertés traditionnelles. Et ça, je pense que c'est justifié compte tenu du défi qui nous est lancé. Alors où est la ligne rouge? La ligne rouge, c'est l'article 66 de la Constitution française qui dit que le juge judiciaire est le garant des libertés individuelles. Et donc je dis que dans tout cela, il y a un moment, et un moment qui va venir vite, où le juge judiciaire doit se prononcer. C'est exactement l'inverse de Guantanamo. Guantanamo prive les gens de liberté sans aucune intervention judiciaire, sans aucune procédure judiciaire, et on les garde pendant des mois ou des années, et après on ne sait pas comment sortir de ce piège épouvantable. Donc ça, je n'en veux pas en France. En revanche, bien sûr, il y a des mesures exceptionnelles, mais avec cette garantie, voilà où est la ligne rouge. Alors on m'a dit un jour, mais oui, mais ça existe déjà, il y a des cas où le juge judiciaire n'intervient pas, et on met pourtant les gens, on les prive de liberté, c'est le cas des internements psychiatriques. C'est totalement faux. C'est vrai qu'on peut interner une personne qui se comporte de manière dérangée sur l'espace public, que c'est une décision du préfet, mais dans un délai de 15 jours, il y a le juge des libertés qui doit infirmer ou confirmer. Donc on est parfaitement dans le cadre que j'évoquais tout à l'heure du respect du non-franchissement des lignes rouges de l'état de droit. Le bonheur de vivre en France et le bonheur d'être français.